Alors normalement, Eve, on commence par mettre du colorant sur la toile, c'est ça, on fait pareil. Donc moi, hop. D'accord. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là? Nicolas, il va... Ah, si vous voulez. Ah bah là, je suis en train de créer ma série graphique. C'est-à-dire que j'imprime sur le film plastique le décor qui est en négatif sur le cadre de série graphique. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez dessiné là? Quel est le décor? Alors là, c'est le Père Noël qui passe, le Père Noël avec son traîneau et ses rennes, qui passe au-dessus de l'hôtel de ville, du château d'Angoulême. Donc on avait fabriqué des rennes en chocolat il y a quelques jours, qui étaient encore au repos, quoi, qui étaient couchés. Et donc là, on les a réveillés et ils sont partis pour les trouver. Alors vous êtes les fondateurs des Massal, c'est exactement la même chose que vous faites d'habitude avec la peinture? Alors du coup, nous à l'atelier, on travaille avec des encres, donc en base aqueuse, donc ça va être assez différent du chocolat. On n'a pas les mêmes contraintes que le travail du chocolat. Mais effectivement, on imprime toujours dans le domaine de l'estampe, donc ça va être des impressions d'art en tirage limité. Sur du papier. Sur du papier. Et là, on s'y prend tout pareil. C'est la première fois que vous faites ça en chocolat? Non. Moi, j'avais déjà essayé, mais comme je suis pas chocolatier, ça donnait pas des résultats aussi pigmentés. D'accord. Déjà fait sur des crêpes. Sur des crêpes? Ouais. D'accord. Ouais, mais sur une crêpe, il faut aller